Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de la mousse de Cladophora. Vous savez, la petite boule verte là, que l'on met au fond de l'aquarium qui a pour particularité d'absorber les nitrates. Donc, en général, on laisse ça au fond de l'aquarium, voilà, vivre sa vie tranquillement. Et moi, il y a quelques mois, j'ai voulu faire une expérience. J'ai enlevé quelques petits morceaux et collé ça sur une racine pour voir tout simplement ce que ça allait donner. Donc, eh bien, voilà ce que ça donne. En fait, je suis allé voir là, sur ma chaîne. Ça fait 11 mois de ça que j'ai collé ça sur cette racine pour faire un effet de verdure. Mais bah, en fait, pour ceux qui ne savent pas, la boule de Cladophora, en fait, c'est une algue. Donc, en fait, comme toutes les algues, avec la lumière, plus les engrais que l'on met dans l'eau, et bah, ça se nourrit de tout ça et ça prolifère. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer. Bon, après, esthétiquement, c'est un peu moche quand même. Faut dire ce qui est. Donc, je pense que je vais la tailler un peu, en laisser un petit peu quand même. Mais voilà. Donc, sachez que la mousse de Cladophora, c'est une algue. Donc, ça se développe. Et ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre ça sur un décor tel que racine. Ou alors sur une pierre, mais de toute façon, ça va, vous voyez ici, créer des filaments. Je vous fais un zoom. Voilà. Après, un petit effet zoom. Donc là, vous voyez exactement ce que ça fait. Et donc ça, après, ça va se répandre partout. Et ça devient des algues filamenteuses vertes, quoi. Voilà, celles qu'on a quand on a un éclairage trop puissant ou que l'on ajoute trop d'engrais, car les algues se nourrissent d'engrais et adorent la lumière. Voilà. Donc, 10 mois après, voilà ce que ça donne. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de départ, je la mets en lien et comme ça, vous pourrez voir avant et après. Voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer ce que ça donnait. Si quelqu'un a eu la même idée que moi, ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait plaisir et ça me motive pour faire davantage de vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.